Salut, bonjour. On a vu dernièrement un petit passage d'une vidéo de cette chaîne Alatra TV qui nous montrait une des femmes, on va dire speakerine, mais une participante, une membre, faire un petit truc avec les yeux. Bon. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un des sujets qu'il traite. Et de la manière dont il traite ce sujet. Pour savoir, en fait, ça va nous renseigner à plusieurs niveaux. Un petit peu, un, qu'est-ce qu'ils nous disent? De deux, quelles sont leurs intentions? Quel est leur état d'esprit? Ou en tout cas, quels sont les arguments dont ils se servent pour nous amener leur discours? Qui, a priori, leur discours ne me paraît pas malsain. Ils nous amènent une méthode, une attention au fait que. On n'y connaît rien en conscience et très peu en connaissance, enfin très peu des deux côtés en tout cas, et ce ne serait pas idiot de s'y intéresser de manière des plus urgentes, vu un, le retard qu'on a, et deux, vu l'arrivée d'événements climatico-sismico-cosmiques, pas piquer des vers, hein, si c'est une reproduction de ce qui s'est produit avant les derniers déluges. Puisque les conditions sont similaires au niveau des cycles solaires et tout ça, et tout ça. Et comme ça tombe bien avec les prédictions et tout ça, il pourrait bien avoir raison. Ça expliquerait aussi toutes les villes englouties ou souterraines, ce qui protège des explosions solaires et des froids et de ce qui pourrait se produire par la suite, du style glaciation. Donc, on va attaquer aujourd'hui un sujet d'actualité, malheureusement. Il a été d'actualité de tout temps. Et la preuve en est, avec le début de l'interview, qui est sous-titré, mais que je vais vous traduire aussi en même temps, pour excuser la façon dont, enfin, pour justifier que je me serve de leurs images. Que je fasse quelque chose dans l'histoire, quoi. Parce que si je vous renvoie juste sur le lien, pas la moitié d'entre vous n'iront. Tandis que si j'en fais une vidéo, je vais toucher a priori aujourd'hui entre 500 et 1500 personnes, dont je salue les arrivants et les arrivées, quel que soit le temps depuis lequel ils sont là. Et je remercie de leur assistance et de la délicatesse de leurs commentaires et de la sympathie des chats. Attaquons un sujet qui va demander une grande solidarité entre nous. On va être content d'être ensemble. Donc, bonjour, chers amis. Aujourd'hui, dans le studio de Alatra TV, est avec nous le cher Igor Mikhailovitch Danilov. Je vais vous laisser un petit peu de vidéo quand même là au début. On va juste couper le son. Oui, je suis en direct sur Google, YouTube. Parce qu'il va y avoir les images. Donc là, je lis. Qui me dit bonjour. Et Zahana. Qu'à mon avis, on dit Jeanne. Bonjour. Très sérieuse aujourd'hui, Jeanne. Hein. Elle ne nous a pas fait de petit clin d'œil, là, pas pour l'instant en tout cas. Je n'ai pas regardé vraiment. J'ai regardé ses sourcils. On n'est pas là pour rigoler, quoi. Bon, on va effectivement constater très rapidement qu'on n'est pas là pour rigoler. Donc, ils ont reçu du courrier à propos d'un cercle, d'un neuvième, d'une secte, d'un groupe, d'un gang, d'un ring, d'un réseau qui s'appelle le 9e cercle. Et en fait, là, on va repasser en dimension raisonnable. En fait, ça s'intitule le 9e cercle de Satan. Malheureusement, aujourd'hui, pour je ne sais quelle restriction, peut-être bien de censure, ils ne vont pouvoir parler que des documents qui sont déjà
à disposition du monde. Encore, hein, ben, je vais reprendre cette vidéo, mais ça va justifier tous mes encarts, quoi. Le fait de reprendre un truc qui est déjà sous-titré, donc traduit, quoi. Donc vous n'auriez pas besoin de ma présence pour y avoir accès. C'est qu'a priori, là, si je comprends bien, là, ils ont d'autres témoignages, confirmations, preuves dont ils ne peuvent pas nous parler. Des trucs horribles dont ils vont nous parler déjà. Parce que c'est des trucs horribles. Ah oui, je dois pouvoir vous prévenir. Je vais mettre une limite d'âge. Je ne sais pas si c'est bien de mettre une limite d'âge. En fait, ce sont les victimes qui devraient être au courant qu'on va priver de l'accès à l'information. C'est hallucinant. Oui, parce que ça va toucher des mineurs et des très jeunes mineurs. Le sujet d'aujourd'hui. Il s'avère que les informations qu'on va nous révéler là concernent des gens du premier plan de notre monde politique, religieux, économique. Le neuvième cercle de Satan contrôle à la fois les organisations religieuses et les ordres cachés. En fait, vous savez, il y a le Ronald Bernard qui avait fait une déclaration en disant qu'il avait fréquenté des gens qui étaient au-dessus des lois, qui possédaient leur propre police, leur propre niveau de conception d'eux-mêmes et de nous. Et enfin, c'est les gens, c'est la breakaway civilization, a priori. En fait, je ne sais pas si c'est la civilization, excusez-moi, ou si c'est juste la breakaway society. Parce qu'une société avancée devrait avoir des critères mentaux et moraux nettement différents de ceux qui sont exprimés par cette société. Mais en tout cas, elle est séparée, ça c'est sûr. Ils se justifient au-dessus de nous, ils nous contrôlent, ils manipulent les finances mondiales au niveau des États, les finances du Vatican, quoi, les fonds mondiaux de solidarité, pas de solidarité, là, vous savez, les gros fonds, le FMI, la Banque internationale de settlement, la BIS, ces grosses banques dont le siège. Le siège. Est à Zurich. Bâle. Londres. La City de Londres, je pense, hein. Et dans d'autres endroits aussi, hein, il doit bien y avoir un nazi. En Asie, il doit y en avoir pas mal en Asie. Continuons. Il contrôle aussi toutes les branches des francs-maçons. Toutes les branches. C'est pour Serge que je dis ça, monsieur Serge. Non, parce qu'il fait une distinction là, mais bon, c'est quand même aberrant qu'il y ait la moitié de la communauté qui donc, a priori, c'est quand même ce qui se passe de l'autre côté, quoi. Il faut arrêter de déconner. Il y a aussi des 33e degré du côté opératif et non pas du côté... il y a deux côtés. Je sais plus. Je sais plus. J'ai jamais su, en fait. Ben si, je sais, mais bon. En fait, il possède à peu près toute la partie visible de l'iceberg de l'élite. Alors, ils ont fait élite, évidemment, c'est les fidèles à elle. Vous savez, dans l'ancien temps, elle, c'était le nom qu'ils donnaient au dieu auquel ils avaient fait allégeance. À celui qui avait dit je suis votre Dieu et pas un autre, hein. Un truc dans le genre, hein. Non, là je me trompe, c'est Yahvé qui a dit ça, c'est peut-être le même, mais je n'en suis pas sûr là tout de suite, donc enfin, de la définition, hein, pas de la réalité de la chose.
de ma définition. Et donc, voilà, on va dire que j'ai rien dit. The part of the modern power pyramid. So, what is the ancient? J'étais en train de bugger. Donc, alors, quelques explications à propos de cet ancien ordre secret du 9e siècle de Satan, 9e cercle de Satan. Pour la dernière civilisation en cours, ça a commencé à l'époque de Sumer, lorsque le premier pouvoir est apparu sur les peuples. Vous voyez ? C'était mieux avant. C'était mieux avant. Oui, je suis un peu gêné là, parce que j'ai mon secrétaire qui entend. Il fait des heures de récup. Il est en récupération. J'allège la discussion. Ce cercle de pouvoir s'amusait à faire des sacrifices d'enfants. C'est pas amusé, hein. Il faisait des sacrifices d'enfants. Ce n'est pas un jeu. C'est un outil. Enfin, c'est la manière dont je l'explique ésotériquement, occultement, ésotériquement et malsainement. Bon, en clair, ceux qui ont pris le pouvoir sur le peuple à l'époque ont commencé à faire des sacrifices des enfants pour garder ce pouvoir sur le reste des peuples, en plus. Et a priori, ça n'a jamais cessé. Et ils ont gardé le pouvoir aussi entre eux, agrandissant a priori plus ou moins les cercles, vu le nombre aujourd'hui de congrégations satanistes qui sont officiellement déclarées, ne serait-ce qu'aux États-Unis. Et de toute manière, le taux global d'allusion satanique que l'on peut retrouver, que ce soit dans la musique, que ce soit dans les vidéos, que ce soit dans les publicités, dans les films, dans les livres, dans les modes, dans la manière dont tournent les choses dans notre monde. Je dirais, globalement, hein, les lois, la mentalité, de ce dont on parle, la manière dont on en parle, l'inversion des valeurs, la dégénération de la société, la totale, hein, tout, en fait tout. L'état de la planète... le concept, l'imagination, la vie, le bonjour, salut. Donc, ils font des sacrifices d'enfants et principalement des bébés. Et donc, ils n'ont pas lâché l'affaire depuis l'époque. Vous savez, ils changent de nom, hein, ils s'en fichent. S'ils sont tous copains, déjà. S'il y en a un qui a besoin de changer de nom pour que l'affaire du club complet là, reste en place et toujours aussi discrète, il n'y a aucun problème. De toute façon, dès qu'il y en a un qui ouvre, boum, il l'allume. Ce seront les premiers à vous faire passer des lois pour empêcher la peine de mort, peut-être, hein, même en même temps. Alors, il prépare un petit peu l'éveil. On ne sait jamais, hein, de temps en temps, il y en a peut-être un qui va se faire coincer. Beaucoup de populations, c'est pour ça que, à mon avis, on a un nombre critique pour eux, au niveau du contrôle qu'ils peuvent avoir sur nous. Et raison pour laquelle ils balancent maintenant la 5G, là, parce qu'ils ont peut-être, techniquement parlant, un nouveau truc qui leur permet de dépasser ce nombre critique. Quoi. Ce qui leur finit du bétail à encore plus grand nombre, hein, parce qu'il y a quand même énormément plus de gens qui font la queue devant quoi que ce soit, que de gens qui sont détournés de ce mode de consommation et de vie, me semble-t-il. L'élite mondiale est composée des représentants du 9e siècle, cercle de Satan. Non, je confonds parce qu'on a deux clubs un peu particuliers en France. Un officiel, le cercle, mais il y a aussi le siècle. Il y a les dîners du siècle et le cercle qui est, j'ai dit officiel, ben non, il est beaucoup plus discret. Donc, il y a beaucoup de matériel à ce propos. Il y en a eu, en tout cas, sur Internet. J'ai eu accès à une partie d'entre lui, d'entre ça. Une thérapeute hollandaise, Tange Nijenduus, excusez-moi, pour la mauvaise prononciation, qui est une fille de maçon de haut rang. Lors d'un jugement à la Cour internationale de justice de Bruxelles, quand même.
je pense que ça existe, ça, la Cour internationale de justice. Je pense que c'est sérieux. Parce qu'il y a pas mal de tribunaux qui existent, dont on ne connaît pas le nom, en fait, de manière courante. Je pense à l'ITCCS, dont on va se servir de certains des jugements, là. Et des gens qui ont témoigné, et des faits qui ont été avérés, et en plus, des témoins qui meurent, quoi. Si les gens disaient n'importe quoi, au moins. Mais là, on a les témoins qui vont témoigner le lendemain, ou retémoigner, qui meurent. On a tout le décor de l'affaire qu'on étouffe en faisant agir des agents. Le droit de tuer, là, le projet Homo, ou le plan Homo, ou le Homo dans le sens de homicide. Homocide, Homo. Ouais, ils disent pas homi, ils disent. Bon. Et donc, lui, c'est un rescapé, hein, parce que. Elle, pardon. Enfin, lui ou elle. C'est un rescapé, puisqu'a priori, il a été témoin de meurtre d'enfant quand il était lui-même enfant. Lors d'une action où l'ancien pope Ratzinger, Benoît XVI, hein, a participé. Ratzinger, also known as Pope Benedict XVI, a Dutch Catholic cardinal. Benedict. Le cardinal catholique néerlandais Alfrink est le créateur du Bilderberg, le prince du Bernard. En 1951, je crois. Pas sûr, 51. Les années 50. Bon, c'est pas le seul témoin à avoir dit qu'il avait vu le pape sacrifier quelqu'un, une victime. Notamment, là en l'occurrence, une fille. C'est un événement qui s'est produit en France, à l'automne 87. Oui, la France est quasiment au cœur de la plaque tournante des trafics humains. D'enfants, à la limite, en tout cas. Il y a des pays qui servent de source et des pays qui servent de dispatching. Et de toute façon, ils sont distribués aussi sur place. Hein, mais ce sont des réseaux internationaux. Il y a l'Atlantique à passer, là. Alors, quels sont les pays côtiers atlantiques qui permettent le transfert de personnel? Et là, bon, on parlait de la FAP, F-A-P-E, qui serait un réseau qui permettrait aussi des trafics hors des systèmes de contrôle habituels, douanes, etc. Moi, j'en rajouterai d'autres. Hein. J'en rajoute deux autres. Alors, c'est parce que je traite d'exopolitique et que pour moi, tout ça, ça existe, que j'en parle. Je ne pense pas que ça va être un argument qui va être retenu pendant assez longtemps. Ben, quoique, vous ferez ce que vous voudrez. Hein. Il y a les TR3B. Hein, les TR3B. Écoutez, s'ils se les refourguent entre eux aujourd'hui, à l'Argus, entre ayant droit, vous voyez, la breakaway civilization, les riches des grandes familles, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont les moyens de faire ça sans qu'on les emmerde. S'il se balance à l'Argus, cette vieille appareil, hein, ben il a 40 ans là, quand même. 35 ans. Ou 35 ans, même un ovni, ça c'est vieux, quoi. Il y a mieux en tout cas depuis. Donc, a priori, ça peut servir pour ça. Hein, on en voit, hein, les vidéos abondent, les plans de l'Astra TR3 sont connus, il y a les brevets, il y a les gens qui témoignent. Maintenant, il va falloir que ça vous rentre dans le cabochon. Hein. Enfin, le public, le mien, il sait, mais pour les nouveaux venus, vous avez constaté qu'on se sert comme d'argument courant, d'éléments de connaissance, hein, ou d'activité sur Terre, qui ne sont pas courants. Hein. Celui-là, en étant un, en général, quoi, le sacrifice humain entre les mains de tenants d'un club mondial, de gens qui se la jouent au-dessus de l'humain et puis qui le méprisent, et qui au contraire se servent de ça comme d'un moyen. Alors, il va falloir vous demander quelle est cette science. Ben oui, c'est pas. Évidemment, c'est une science qui est ridiculisée par la science officielle, puisque la science officielle est tenue par ces gens-là. Hein?
dans le bouquin sacré, le premier truc qui est marqué quasiment, c'est ne cherchez pas ailleurs, c'est interdit, c'est dangereux. Évidemment. Article 1, j'ai toujours raison. Article 2, au cas où j'ai tort, appliquez l'article 1. Il faut revenir à ça. Il faut limiter toute possibilité de réaction. On est face à des gens, à la nuit des temps, là, qui n'avaient aucun niveau. Donc, on va les éduquer. Autant tout de suite les mettre en condition de rien comprendre. Puisqu'on veut garder le pouvoir. On n'est pas là fraternellement pour leur amener la connaissance, hein, chez ces gens-là. Là. Bon, voilà. Donc, j'ai fait un bon encore. Enfin, pas bonne. On serait bien passé. Bon, ce n'était pas occasionnel. Hein. Ça s'est produit plusieurs fois et c'est vraiment cauchemardesque. Comme participant régulier, il y a donc vu Ratzinger et Bernard. Je suis Bodor, que celle qu'on appelle... Ce n'était pas une des reines Illuminati. Enfin, c'est une victime, hein, mais elle sert de représentatif, sacrifiable à volonté, à l'occasion d'ailleurs, qui a été interviewé par David Icke. Par David Icke. Au fur et à mesure que le niveau de conscience vient au niveau, on remarque qu'il avait raison. De toute façon, moi, quand il interviewe un chaman Zulu, le gars, il vit là-dedans depuis des générations, quoi. Il n'a pas attendu Internet pour faire le buzz. Le gars, il s'en fout, quoi. Et en plus, ça ne lui a amené que des problèmes à Credo Mutva. Et ça n'a pas vraiment conforté la position de David Icke au niveau de son concept de shape-shifting, de dominance reptilienne, de dimension parallèle, de pouvoir de la conscience, énormément de choses auxquelles on arrive petit à petit aujourd'hui. Et pas forcément par les bonnes voies, hein, parce que quand on passe par un quantique qui est possiblement remis en question quand même, ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas un autre moyen de le faire. C'est tout, hein. C'est que l'expression qu'on a, l'expression physique par les académies, les académiciens, de la notion de quantique est à remettre en cause dans leur définition de la chose. Ils font des formules qui ne tiennent pas debout, en clair, quoi. Donc, après, leur démonstration manque de crédit, à mes yeux, en tout cas. Et pas que. Bon, ce n'est pas le sujet. Alors, il y a des archives de bibliothèque, des archives jésuites, qui sont arrivés à la cour de l'ICLJCJ. Alors, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être l'ITCCS, mais c'est peut-être International Court of Law. CJ. Je ne sais pas. Law of Justice, je ne sais pas. Bon, ce n'est pas grave. Peut-être qu'elle va le dire. Donc, sur un culte appelé les Chevaliers Noirs, Dark Knights, un culte de sacrifice d'enfants, autour des sacrifices d'enfants en tout cas. Ratzinger était l'un des Chevaliers des Ténèbres. Oh, je ne pense pas que ce soit des clubs dont on puisse sortir, hein, vivant. Je ne crois pas. Alors, le « était », c'est-à-dire qu'officiellement, quasiment, il était déjà chevalier noir pendant son travail en tant qu'assistant de l'aumônier dans le camp de concentration de Ravensbrück en Allemagne. Où, s'il n'y avait peut-être pas certains des éléments qui sont décriés constamment, il y en a d'autres, par contre, qu'on ne nie pas du tout. Hein. De toute façon, ça a été l'atelier de base du docteur Mengele. Hein. Et docteur Mengele, son travail, il sert aujourd'hui déjà, mais à l'époque déjà, il a très vite servi au service secret anglais, notamment à la suite du projet Paperclip. Il me semble qu'il est d'abord passé par chez eux. Et n'oublions pas de toute façon que les nazis étaient financés par les gens là, qui sont encore aujourd'hui au pouvoir. Ils n'ont jamais lâché le pouvoir. Les guerres étaient organisées, tout est organisé, les différentes passations de pouvoir, de domination sur la planète, tout ça, ben, pendant un certain temps, peut-être le temps qu'ils prennent, avec leur réseau, le pouvoir partout, mais depuis, c'est un jeu théâtral monstrueux et sanglant, dont partie essentiellement nous, l'humanité réelle, et naïve, et gentille, et celle qu'on accable de tous les mots aujourd'hui, alors qu'elle n'a jamais son mot à dire. Mot. Excusez-moi. Donc, l'histoire de sacrifier des enfants pour le pape Ratzinger, qui ne s'appelait plus Ratzinger à ce moment-là,
C'est du commun, hein. C'est courant. D'ailleurs, vous avez vu sa tête, là, au bout d'un moment, là, les cernes qu'il avait, là, si c'est bien celui auquel je pense. Et le fait que les mômes, dès qu'on le mettait, on les mettait entre ses mains, ils partaient en hurlement d'horreur. Je rigole pas. Hein. Ce qui est drôle, c'est que personne ne voie ça. Hein. C'est le même hurlement que les enfants poussent quand on va les vacciner. On a une conscience bien plus développée que ce qu'on peut l'exprimer hein, quand on est petit. Hein. Hein, peut-être qu'on l'a encore à cette époque-là, puis qu'à la suite du vaccin, en tout cas, alors, on devient vraiment diminué. Quoi. On est en état de choc inimaginable. Hein, l'effet que peut avoir, par exemple, l'introduction d'un ADN étranger, d'un fœtus étranger, mort en plus. Mort. On envoie de la charogne dans le corps. Quoi. Mais c'est pire que ça, hein, parce qu'il y a quand même encore un message là-dedans. Quoi. Mais là, au-delà du fait, carnivore, ce serait manger de la viande qui n'est pas encore charogne, mais alors celle-là, quoi, je veux dire. On vit là-dedans. Hein. Ah oui, évidemment, tu vas chercher loin. Non, mais pas de... Dans votre pied, quand vous marchez, l'écharpe, si petite soit-elle, est pénible, voire insupportable. Donc, à l'époque, ils se servaient des enfants... et notamment de tous les enfants des prisonniers politiques aussi. En 2013, par contre, la Cour internationale de justice, ICCJI, je pense que ça c'est l'ITTCS, mais je ne suis pas sûr, a reconnu la reine Elisabeth et le prince Philippe, parce que je connais ce cas-là, alors je m'y étais intéressé à l'époque. C'est un ancien révérend qui a beaucoup travaillé contre ces personnages malfaisants, et qui a été très décrié. Hein. Après, si vous n'êtes pas impeccable, vous n'avez rien le droit de dire à propos de crime. Vous savez. Mais vous devez être un saint. Je suis désolé, c'est n'importe quoi ça. En plus, on a pu faire des bêtises, changer, et aujourd'hui, d'estimer que si et ça. Ronald Bernard, il a participé en spectateur. Il n'a pas pu être acteur, mais il était spectateur. Il s'est arrêté à ce moment-là. Mais il a participé à plein d'autres choses. Hein, il ramenait de l'argent, de toute façon, à ces gens-là. Donc, il leur permettait de vivre. Il faudrait supprimer l'arrivée de finances, l'arrivée de chair fraîche, l'arrivée de drogue, l'arrivée de tout ce dont ils se servent. C'est à ce niveau-là que la grève générale doit s'organiser. C'est pour priver de l'apport essentiel qu'on peut leur fournir. Ces gens-là, c'est à ce moment-là qu'on va les mettre aux abois et sans moyen de réagir. S'ils ne peuvent pas payer leurs équipes, voilà. Tant qu'ils peuvent payer leurs équipes, tant que les gens ont confiance en cette monnaie, ils disent, ouais, avec du dollar, maintenant, un mercenaire tue parce qu'il a besoin d'argent. Il y en a quelques-uns peut-être qui sont devenus assez tarés pour avoir besoin de tuer déjà, mais sinon, essentiellement, ils sont soldats. Avant, on les payait pour ça, maintenant, ils peuvent être payés mieux. Pour le même boulot, quoi. Hein, le soldat, c'est... On défend la paix en tuant, hein, en général. Hein. Sinon, c'est un reste de montagne. On oublie un peu. Je pense pas que ce soit eux qui balancent du bâton, de la grenade et du LBD. J'espère pas, quoi. Ça doit vraiment, pour eux, leur poser un problème, quoi. Puis, de toute façon, on a besoin d'eux ailleurs, en mer et en montagne, où il y a peut-être deux, trois autres secteurs. Il y a peut-être encore des forces... De toute façon, là, avec les pompiers qui viennent de se faire massacrer, je pense que ça va en réveiller deux, trois autres, des endormis. Mais je me demande aussi à quel point et à quel niveau tous ceux qui se réveillent de trop, d'un coup, ils ne se suicident pas bizarrement. Là. Vous savez, avec le contrôle mental à distance, si ça se trouve, on peut vous pousser à une dépression en une demi-heure, peut-être même moins. Ou c'est fait par un tiers, et puis après, évidemment, vous êtes mort de deux balles dans la nuque, de 22 longs. Après, on voit ça dans le dossier. Derrière les Clinton, il y avait des morts. Il y en a un, il avait pris combien ? 5 coups de pompe dans la poitrine. Suicide. Ça le grattait. Donc, pour revenir beaucoup plus sérieusement et tristement à l'affaire qui concerne la reine et le prince du Danemark, ils sont coupables de la disparition de 10 enfants au pensionnat catholique d'une ville du Canada,
dont ils ont même d'ailleurs changé le nom en Kanata, enfin l'ITCCS. Et le révérend, son nom m'échappe là, je m'excuse. Donc c'était en Colombie-Britannique en 1964. Donc c'est bien au Canada. Donc il y a eu des témoins, hein. Il y en a eu plus que ça des témoins, mais il y en a plein qui sont morts, hein, quand ils étaient jeunes déjà. Il y a les gens, ils parlent, ils disent qu'ils ont vu, ils ont 15 ans, vous savez. Le gars, il vous raconte ça, et j'avais 15 ans, ce jour-là, il s'est fait battre, il s'est fait... c'était pas la première fois, on se demandait s'il allait survivre. Le gars, il raconte des trucs comme ça, quoi. Ou la jeune fille, on avait 15 ans... Bon, ben là, c'est un autre cas, peut-être, mais bon. D'ailleurs, Kent, par exemple, est mort juste après une interview radio où il en a parlé de cette affaire d'enlèvement. Alors, en encart, je peux vous dire que la sévérité avec laquelle Jeanne entend ça, la manière qu'elle a de l'exprimer, ça pourrait être une comédienne, hein, mais là, non, elle ne vous donne pas l'idée d'être comédienne. Je pense qu'ils sont aussi outrés que nous, quoi. Mais ils ne sont pas en train de se lamenter, ils sont en train de sévèrement de penser à justifier une rétorsion. Quelque part, hein. C'est pas du style, oh, c'est pas possible. C'est du style, ça va suffire tout de suite, quoi. Hein, y a une différence de caractère, là. Alors avec la télé, aujourd'hui, c'est, oh, qu'est-ce qu'on y fasse? Non. On prend les lieux d'assaut, quoi. On fait comme on a toujours fait. On prend des risques et les lieux d'assaut. Tous les lieux d'assaut, tous, en même temps. On ne va pas à la zone 51, 1000 personnes. On fait 1 million de personnes qui viennent par tous les bords, de partout. Et qui avancent petit à petit, qui défoncent tout, qui coupent toutes les grilles. Qui avancent doucement. Là, ils ne peuvent plus rien faire. Là, à ce moment-là, ils ne peuvent plus. La télé partout, tout autour, en même temps. Si, ils peuvent faire un truc terrible. Ils font exploser le Coumbier Verra dans l'Atlantique. Alors, du coup, il y a une vague de 800 mètres, enfin, je ne sais pas combien. Une énorme vague qui traverse, en tout cas, 800 km/h l'Atlantique et qui vient nettoyer dans les tréfonds. Donc, peut-être, balance un coup de harpe et ils font vibrer l'Arizona, la zone 51. Et tout le monde perd sa... Ouais, parce que ça déstabilise un tremblement de terre, hein. Ça, ou une tornade, un ouragan, n'importe quoi, ils se planquent, ils ne bougent même pas. Ouais, c'est pas nous, c'est l'ouragan. Mais ils manipulent les ouragans. Vous vous rappelez, hein, le 11 septembre, il y a un ouragan qui est venu à point pour aspirer la fumée. Hein. Et dans la fumée, il y avait tout le matériel. Incroyable, un incendie qui fait de la poussière, hein, les poutrelles métalliques. Même la hauteur de l'immeuble qui, oui, ça ne brûlait pas encore, hein, ben oui, ça aussi partit en poussière. Il y a quelqu'un qui peut m'expliquer ça? Alors moi, de temps en temps, on trouve encore un argument que personne n'a exploré. Exploré. Eh bien oui, le reste des... Oh, il y avait 5 étages qui étaient en incendie, mais le reste, là, il y a de la tôle, il y a de l'acier partout, là. Il y a du monde, il y a des classeurs, il y a des valises, il y a des voitures. Oui, il y a aussi des voitures. Tout dans le sous-sol, ben non, il y a un trou à la fin, quasiment. Avec les parois du trou quasiment vitrifiées aussi. Alors, est-ce que c'est la fin du faisceau, de la nouvelle physique de torsion, l'arme à énergie dirigée particulière qui a permis la transmutation du matériel en poussière, chacun des atomes perdant ses alliances moléculaires avec le reste? Voilà, part en poussière. L'effet de la vieillesse accéléré, quoi. La vieillesse sur une pierre. Quand même. Ou une mini-bombe atomique dans le sous-sol, ça aussi c'est possible. L'un n'empêche pas l'autre de toute façon. Sans compter les termites qui faisaient couler de l'acier comme dans une fonderie. Et sans compter le matériel qu'il y avait dans le drone, qui était couvert par un hologramme censé représenter un avion qui ne ressemblait pas à l'avion qu'il aurait dû représenter. Parce qu'il y avait un argument de trop là, sous la carlingue. Il y avait une grosseur de trop.
Ah bon. Faut parler un petit peu du 11 septembre aussi en même temps, quoi. C'est les mêmes qui ont organisé ça. Alors, il y a eu moins de morts que déclarés parce qu'il n'y avait pas autant de monde dans les étages là. Les compagnies étaient au courant. Ben oui, elles ont toutes un petit peu la même source, là, la même origine d'ailleurs en plus. Et ce matin-là, ils ne sont pas venus au boulot en général. Hein, il y a des trucs à faire là-dedans. D'ailleurs, il semblerait qu'au niveau des déclarations d'État, hein, du nombre de morts qu'il y a eu ce jour-là, quand on regarde ça dans les chiffres de la Sécu ou quelque chose dans le genre, quoi, hein, les admissions à l'hôpital, les chiffres de la Sécu, on cherche des confirmations, hein, c'est comme pour Las Vegas. On cherche le nombre de personnes qui ont été accueillies avec blessures par balle ce jour-là dans les services d'urgence de Las Vegas pour la fusillade de Las Vegas. Ouais. Ce genre de truc qu'il faut chercher de temps en temps. Puis des fois, ça correspond, des fois, ça ne correspond pas du tout. Ou des fois, c'est encore le même toubib que lors de la dernière enquête où déjà, c'est du n'importe quoi, hein, les conclusions qu'il a tirées. C'est le genre de truc, quoi. C'est les mêmes gars qui étaient dans la commission Warren et la commission pour étudier l'affaire Lewinsky ou le 11 septembre. Ou... C'est souvent les mêmes où ils ne font pas du même club, où c'est le fils d'eux, ou le cousin, ou le mari, ou la femme. Ou... C'est très, assez intéressant aussi. Enfin bon, je fais un petit encart là. Hein. Donc, il nous fait un témoignage, Kemp, et il dit que le 10 octobre 64, il se rappelle avoir eu la visite de la reine d'Angleterre, Elisabeth II, je crois. Pas là, en tout cas. À moins qu'elle ait shape-shifté, elle ait fait de la réincarnation, suivi. Ce dont on parle avec Isis, Osiris, et le fils Horus, qui est la réincarnation de l'âme d'Osiris. Je ne sais pas, c'est de la technologie qu'ils avaient à l'époque. Elle a fait un OGM avec une implantation in vivo ou in vitro, on va voir. Après, ces petites affaires ne me regardent pas, mais enfin, ce qui compte, c'est le résultat. Et l'idée globale, générale. Donc, c'est un peu la même histoire, ça. C'est un petit peu ce qui pourrait être possible dans le fait de garder le même ADN dans les relations maritales, mariales, interfamiliales, sans sortir du club, du clan. Garder un certain ADN, donc un certain taux vibratoire qui permet ce genre de transfert plus aisément. Je mettrais ça à l'étude, moi. Donc, il faisait partie d'un groupe d'enfants qui ont été en pique-nique avec la reine, le prince Philippe et des prêtres. Ils avaient trouvé un petit coin bucolique à proximité qui se situe dans un pré, près de la baie des morts, Dead Man's Creek. Ouais, mais à l'époque, les pirates et tout ça, là, ils donnaient des noms pas croyables au coin, parce que quand vous avez enterré un trésor, vous n'avez pas envie que toutes les semaines, il y ait quelqu'un qui vienne creuser. Donc, plus l'endroit est sinistre et plus ce qu'on en rencontre fout les chocottes, le mieux c'est. Sans compter que de temps en temps, il y a vraiment des entités qui plafonnent encore dans le coin, là, lorsqu'il se passe des choses dans le genre sur place. Il y a très très longtemps qu'on fait des sacrifices, la terre est couverte de sang. Ouais. Bon, à un moment donné, il y a un groupe d'enfants, là, 7 garçons et 3 filles, âgés de 6 à 14 ans. Donc en plus, ils avaient pris du monde dans toutes les classes, quoi. Ils avaient fait une sélection en fonction de quoi? Parce qu'ils auraient pu prendre que des gens un petit peu partout pour moins que ça se voie, peut-être, oui. Et puis peut-être bien qu'ils avaient déjà les. Parce que ce qui les intéresse, là, il y a en plus une sorte d'attaque génétique vraiment entre ces familles-là et d'autres familles de locaux résidents. Aujourd'hui, les survivants, en général, ils sont très souvent médiums, ils ont des qualités de chaman, ils ont le savoir des anciens, sont des éveillés de première heure, et pour cause. Comment dire? Ils font partie des humains qui ont encore dans leur qualité génétique des capacités que ces genres d'enflures, telles que la reine Elisabeth et le prince Philippe, ne tiennent pas du tout à voir s'améliorer dans le cheptel humain. Ils veulent absolument une idiocratie, eux. Hein. Ceux qui dirigent le jeu, avec les moyens qu'ils ont, s'ils ne voulaient pas ça, ils ne le feraient pas. Thank you.
Ça, c'est un argument de base quand même pour dire non, ce n'est pas une conspiration, regarde. Tu ne vas pas me dire que telle loi qui dégénère les enfants en bas âge provenant de l'ONU avec des gens respectables, respectés, que vous adulez tous. ONU qui, comme l'OMS, a quasiment le droit de loi martiale sur tous les pays. Il balance une épidémie force 6 et hop, loi martiale. Il n'y a plus de gouvernement français qui tienne. C'est les équipes de l'ONU, les casques bleus, sûrement des troupes de robots hein, bientôt. Tout ça commandé par des criminels. C'est la dernière heure pour réagir. Hein. C'est ce que je disais à propos de la vague gilet jaune. Enfin, c'est la dernière qui sonne, de toute façon. Quoi. Si ce n'est pas trop tard. Parce que vu qu'elle est à peu près vue, il va falloir justement sortir de leur plan. Mais bon, eux, ils ont l'intelligence artificielle pour penser à toutes les possibilités. Hein. Ils ont du matériel incroyable, ils ont de la manipulation des foules, ils ont tous les médias, et ils ont la capacité de flinguer quelqu'un, hop, tel gêneur, boum, paf. Ils ont même la loi officielle qui permet de tirer dans la foule à balles réelles sur les meneurs lors de manifestations non autorisées. Il faut demander l'autorisation au mec qui te martyrise pour avoir le droit de dire « Monsieur, s'il vous plaît, vous me faites mal en marchant sur le pied. » Alors qu'il n'est pas du tout en train de marcher sur le pied, en plus, hein, je veux dire. Ouais, genre, il y a urgence survie, quoi. Ils nous empoisonnent à tous les niveaux. Oh, je ne suis pas en train de m'énerver. Non. En plus, vous savez tout ça, de temps en temps, je tombe sur une de mes vidéos là, et je constate que je radote. Non. Je trouve que je radote un peu. Je ne sais pas. Donc, pour reprendre, inutile de dire qu'ils n'ont jamais revu donc, ces 9 personnes. Hein, je ne sais plus combien. 10. Même à l'âge adulte. Et donc, vous avez des preuves? Vous avez des sources? Et les témoins, ben on en a un autre de témoin là, qui s'appelle Johnny Bingo Dawson, qui avait prévu de témoigner devant la cour et qui faisait du piquetage, je dirais qu'il manifestait hein, avec un piquet et une pancarte devant l'église anglicane et unie de Vancouver. Bon, trouble à l'ordre public, il s'est fait tabasser par les keufs, il en est mort le lendemain et on a dit qu'il était mort de suite d'une overdose alcoolique, alors qu'on n'a pas trouvé une goutte de sang d'alcool dans son sang. Voilà, mais c'est passé, vous voyez, c'est passé. On a des juges qui ont un niveau mental soit effarant d'incohérence, soit franchement, ils se moquent juste de nous, quoi, ils s'en foutent. Oui. Vous savez, ils nous parlent de toute façon déjà avec un langage qui tient compte du code justinien par rapport à la loi maritime, la notion d'homme de paille. Ils nous parlent dans un langage faux, mais que si l'on accepte, nous soumet à leur loi, alors que sinon, il n'y a pas de loi qui nous concerne. Ils n'ont aucune juridiction sur nous. Nous ne sommes pas une marchandise et nous ne sommes pas morts en mer à l'âge de 7 ans, en général. Donc, ils ont eu nos accords à une époque où on n'était pas capable de signer quoi que ce soit. Et il faut savoir que déclarer son enfant, ça signifie le donner dans leur langage. Donc, évidemment, on a un léger problème là. Reprenons. Date the next day. The official was... Donc, en 2013, il y a aussi eu confrontation entre David Compan avec la reine Elisabeth et le prince Philippe. C'est de là, ça fait 2-3 fois qu'on en parle hein, quand même. Bon, bah alors écoutez, comme c'est impensable d'avoir une telle attitude vis-à-vis de telle personne, immédiatement vous êtes arrêté, emprisonné et traité comme fou, avec un traitement de fou en hôpital psychiatrique. Alors qu'on sait que la psychiatrie n'a jamais été vérifiée scientifiquement parlant, avec leur science en plus, hein, leur science, je dis bien. Donc l'officiel, quoi. Celle qui normalement ne tient pas debout suivant mes arguments. Mais là leur science même, leur sert à ne pas pouvoir prouver quoi que ce soit de valable dans la psychiatrie, hein, à part vendre des médicaments, vous mettre sous camisole de force. Vous savez, si vous avez mal quelque part, vous avez mal aux dents un petit peu, vous balancez le pied dans l'huile bouillante, d'un coup, vous avez beaucoup moins mal aux dents. C'est le genre de truc. On est dans un monde, vous savez, c'est incroyable, mais c'est l'histoire du fou qui en croise un autre. Il y en a un qui se tape sur la tête avec un marteau. Alors, il y en a un qui est peut-être un peu moins fou que l'autre, allez savoir.
À ce niveau-là, en tout cas, il lui dit, mais tu es fou, pourquoi tu fais ça? Ça doit faire mal. Et l'autre, il répond comme ça, ah putain, mais tu savais bien que ça fait quand je m'arrête. Donc, il a été soumis à camisole chimique et puis hop, on n'entend plus parler. Et la même chose s'est reproduite avec un soldat britannique, Vivian Cunningham. Parce que lui, en citoyen respectable, a priori, est allé demander à ses supérieurs de délivrer un mandat d'arrêt contre la reine Elisabeth. Mais c'est impensable de faire ça avec la loi anglaise, vous savez, en fait, dans le genre. Il n'y aurait que si la reine, à la limite... Après le Brexit, en plus, peut-être. Et encore. Sort d'Angleterre pour venir dire bonjour ou faire une cérémonie dans un château un soir de nuit, avec ou sans ovni. Ah oui, je parlais des ovnis tout à l'heure. Je pense qu'il y a la deuxième solution, c'est aussi les souterrains. Il y a des souterrains sur toute la planète qui vont d'un pays. Il y a des souterrains incroyables sur toute la planète. Et ils en ont créé aussi, ils en ont creusé avec leurs tunneliers atomiques. Là, qui vont à l'époque, la dernière fois que j'en ai entendu parler, c'était 14 km par jour. Un truc dans le genre. Donc, vous imaginez depuis. Il n'y a pas de déchets, hein. Ils vitrifient les déchets derrière. Ils passent, c'est fini derrière, c'est nickel. Ouais. Bon. Hypothèse, hein, hypothèse. Reprenons. Donc le gars, là, il a dit, mais c'est une honte, hein. C'est comme, il y a un ou deux députés qui ont dit chez nous, ouais, ce que vient de faire le président, article 58, destitution immédiate. Il y a un gars là, qui a sorti 13 points qui permettraient de destituer le président. On n'a pas un seul député sur 475, combien 525, combien ils sont, ces inutiles, ces bouches d'inutiles, qui se gavent avec des retraites à vie, avec des machins, là, alors qu'ils nous ont mis mais le plus profond possible dans la fosse. Donc, avec des papiers acceptés en cours de justice, des documents provenant des archives du Vatican qui montrent qu'en début 2012, en janvier, pour être précis, il y a une destruction de preuves de la part de l'archevêque de Canterbury, Justin Welby, suite à un ordre provenant directement de la reine Elisabeth, qui est à la tête de toutes les congrégations. Elle est franc-maçonne en chef, elle est druide en chef, elle est bonne sœur en chef, j'en sais rien, elle est chef partout. Elle est templière en chef. Il n'y a qu'un seul coin, je crois, où elle n'est pas chef et où c'est le dénommé Pindar qui est chef, peut-être. Alors, c'est dans certaines cérémonies. Et Pindar, aujourd'hui, est incarné par je ne sais plus quel personnage de son entourage. Peut-être le prince Philippe, mais je ne suis pas sûr. Sinon, c'est elle la chef dans tous les coins. C'est fou. Bah oui, parce que quand même, ils ont un parlement, les Anglais. C'est pas elle qui décide là de les Brexit ou pas. Vous croyez? C'est elle qui maîtrise la majorité des mines d'uranium sur Terre, il semblerait. Elle a le titre. Elle a acheté les compagnies, quoi. De toute façon, en plus, elle possède les terres. C'est la plus grande propriétaire terrienne, avec, je pense, le Vatican. Puis juste après, il doit y avoir quoi? Le Crédit Lyonnais? Le Crédit Agricole, pardon. Je déconne. Ah oui, mais de temps en temps, ça fait du bien, là. Bon, on y va, on y retourne. Donc, il y avait c'était à propos de meurtre d'enfants, victime du culte du 9e cercle. Un témoignage de deux personnes disant qu'étant enfants, ils avaient assisté au meurtre d'une jeune fille dans un sous-sol, dans un pensionnat, pour des enfants d'une tribu particulière. Alors, il y a plusieurs raisons, hein. Je vous ai dit tout à l'heure, il y a la raison génétique à décimer une tribu particulière ou une famille particulière, et les raisons génétiques. Puis peut-être des fois c'était parce que par manque de chance, là il n'y avait que des Mohawks dans cette tribu, dans cette région et dans l'orphelinat, j'en sais rien. Mais bon. Et je suis sûr qu'il y a
des vendettas personnelles familiales aujourd'hui entre les Bush et certaines familles en Irak avec des choses en genre qui justifient aussi certaines actions militaires, qui justifient des trucs comme ça. Absolument. Ah ouais, c'est pitoyable, c'est lamentable, ça dure depuis des milliers d'années et ça continue maintenant. Et les gens, ils participent sans le savoir, croyant bien faire en général. Le tour de force, c'est ça, quoi, en fait. C'est, je vais me servir de vous, mais vous allez penser, je vais obtenir tout de vous, voire plus, parce que vous allez vous dévouer une cause que vous pensez être la bonne. Mais alors, mais c'est fin comme projet, quoi, quand même. C'est super fin, puis ça demande une super sophistication aussi, quoi. C'est, à ce niveau-là, c'est remarquable. Moi, je pense qu'en général, il y a des esprits supérieurs qui s'en sont mêlés, enfin, supérieurs au niveau QI, hein, pas au niveau mentalité, moralité, valeur spirituelle, etc. Bien, évidemment, non. Et pouvoir même utilisation d'intelligence artificielle. Le but du jeu, c'est de gagner la partie. Donc, il y a des sacrifices à faire, il y a ci, il y a ça. Qui c'est qui organise ça? Un joueur d'échecs, il s'en fout, il perd des pièces. Vous voyez, si à chaque fois qu'il perdait une pièce, on lui enlevait une phalange. Il y en a qui joueraient peut-être différemment, mais fatalement, il y en a un qui dira ah ben, je m'en fous, moi. De toute façon, je sais comment ça finit, je donne tout de suite mon bras, mais toi, là, t'es mort, tout de suite. Et vous voyez, c'est très relatif. Puis le gars, il va dire moi, je m'en fous, je fais ça pour mon équipe, ma famille, ma patrie. Et après, ça dépend dans quel état le joueur en question a été programmé pour donner à tel point, en disant regardant l'autre, et disant Lyon, si tu veux, on s'en sort indemne tous les deux, et on casse la gueule des juges, là. Mais c'est quoi ce jeu de merde? Pardon, excusez-moi, je rentre un peu dans le jeu. Et donc ça, c'était dans l'Ontario du Canada, à Brampton. Donc là, elle va passer toute une évocation, ça va durer un petit moment en plus. Donc, en deux mots, ils ont vu la fillette se faire bâillonner, attachée à l'hôtel et violée à plusieurs reprises. Et c'est de pire en pire les descriptions. Donc, je vais vous faire grâce de ça. Si vous voulez l'original, c'est la vidéo qui s'appelle « About the Nins ». Circle de Alatara TV North America. Vous avez tout ça à l'écran. Vous avez l'adresse aussi, vous faites une prise d'écran, vous la copiez, vous faites comme vous voulez. Je vais vous passer ce passage-là, je ne vais pas pouvoir. Moi, j'ai été jusqu'à 8 minutes tout à l'heure, donc là, je sais qu'on en a au moins 3 minutes. C'est horreur après horreur après horreur. Je vais essayer d'aller assez vite parce que j'aimerais être en état pour continuer la réflexion. On va s'arrêter là et puis je reprendrai plus tard, personnellement, moi, hein, parce que j'ai autre chose à faire aujourd'hui, vraiment, aujourd'hui, ce n'est pas le moment, quoi. Donc, je vous mets quand même en ligne ce bout-là. Vous pouvez aller donc voir le reste. Moi, j'ai juste cliqué sur sous-titres. La version originelle est en espagnol. Là, il y a des sous-titres. Alors, sous ce carré blanc, là, il y a une barre rouge ou pas. Donc, vous cliquez dessus. De toute façon, est-ce qu'il y a la barre rouge, ça met les sous-titres. Et après, vous allez sur la roue dentée. Et là, vous allez cliquer sous-titres parce que c'est en espagnol. À moins que vous parliez espagnol, que ça vous aille. Sinon, le texte est en anglais. Hein. C'est parlé en anglais, c'est déjà doublé en anglais. L'original, c'est doublé, c'est pas doublé, c'est en russe. Et vous cliquez sur cette barre-là, vous allez sur traduire automatiquement. Il y a une liste qui s'affiche comme ça et vous descendez jusqu'à tomber sur français. Donc, il sera plus bas. Ça va rester noir encore quelques secondes et puis hop, ça part. Et là, après, vous envoyez. En plus, ils l'ont éventré, démembré. Ah, je vous passe les détails vraiment, vraiment, vraiment. Bon, allez. C'est l'horreur. Je peux pas garder ça à l'écran. Il n'y a pas une phrase qu'on peut garder à l'écran, là. Ah, j'aimerais vraiment pas finir sur cette image-là. Ouais, c'est déjà parti pour être pas cool. Bon, c'est pas grave. Comment dire ? Ouais, vous comprenez, quoi, c'est vraiment l'horreur, c'est insupportable. Et plus on a d'imagination, pire c'est.
Raison pour laquelle Ronald Bernard disait qu'il faut mettre l'imagination et la moralité au frigo, quoi. Friser tout ça. Ouais. Je comprends. C'est une solution, sûrement. Ouais. Je suis pas là pour ça. Bon, ben, je vous remercie d'avoir suivi. Passez le mot. Vraiment bon courage. Et ne serait-ce que pour regarder toute la vidéo, vraiment bon courage. Vous forcez pas, hein, si c'est pas possible. Vous avez compris, quoi. Vous avez compris. C'est ça qui compte. Après, s'intéresser aux descriptions et changer d'émotion jusqu'à devenir... c'est pas bon non plus, quoi. Il faut pas rentrer là-dedans et il faut pas se traumatiser avec ces images mentales qu'on se fait. Et en plus, pas tomber dans les descriptions avec des vraies images, quoi. Parce qu'il y a aussi ça. Et ça, c'est vraiment terrible et traumatisant. Il ne faut pas aller voir ça, hein, si vous pouvez. Vous savez que ça existe, c'est bon, quoi. Il faut réagir contre. Il ne faut pas avoir la curiosité d'aller voir. C'est un fake, il a fait un photoshopage. Non, il n'y a pas besoin d'imaginer les photoshopages. Bon, mais merci d'avoir suivi. Je vous compte sur vous pour passer le mot. C'est l'urgence de réagir. En ce moment, on est en train d'oublier l'affaire Epstein. C'est du n'importe quoi. Tout ça est lié et continue. Hein, l'argent, les trafics, les renseignements, l'armement, le blanchiment, les lois, le personnel politique qu'on a, les attitudes, tout ça, c'est complètement toujours lié. Voilà. Bon courage, salut. Excusez-moi de ce genre de vidéo, il faut passer par là.